La princesse Charlène et le prince Albert de Monaco ont fait le déplacement à Londres pour assister au couronnement du roi Charles III d'Angleterre. Albert de Monaco a révélé comment les jumeaux, Jacques et Gabriella, se sentaient vis-à-vis du couronnement. Le prince Albert de Monaco n'était même pas sûr si les jumeaux suivraient l'événement à la télé. Le 6 mai dernier, le couple princier a quitté le rocher et y a laissé leurs jumeaux de 8 ans. Jacques et Gabriella de Monaco n'ont pas accompagné leurs parents, trop jeunes pour assister à une telle cérémonie. Leur père, le prince Albert de Monaco, 65 ans, a même confirmé lors d'une interview accordée au magazine Hello, que les jumeaux de Charlène de Monaco ne sont pas intéressés par le couronnement de Charles III. Le prince monégasque a même déclaré que les jumeaux, Jacques et Gabriella, sont au courant qu'il y a bel et bien une cérémonie royale, et a avoué ne pas savoir si ses enfants vont la regarder. Ils n'ont pas encore fait preuve d'un enthousiasme débordant. Bien sûr, ils sont encore jeunes et ils ne savent pas ce que ça représente, précise l'époux de Charlène de Monaco, 55 ans. Malgré le manque d'intérêt qu'ont montré Gabriella et Jacques de Monaco vis-à-vis du couronnement du monarque britannique, leur père Albert de Monaco n'a pas manqué de souligner l'importance de cet événement historique. Je suis sûr que si mes enfants regardent la cérémonie, ils s'en souviendront, a conclu Albert de Monaco. Charlène et Albert de Monaco ne disent pas grand-chose à leurs jumeaux. L'époux de Charlène de Monaco n'est pas réellement de nature à s'étaler au sujet de sa vie privée et de la vie de ses enfants, Jacques et Gabriella. Pourtant le 11 avril dernier, Albert de Monaco a fait une exception dans le cadre de son entretien avec le magazine Hello Monaco. L'époux de l'ancienne championne de natation avait expliqué comment il prend en main l'éducation des jumeaux. Je les laisse s'épanouir et s'ouvrir au monde. Ils sont très gais, très curieux et assez faciles à vivre, a déclaré le prince Albert de Monaco avant de préciser, Charlène et moi-même, nous n'avons pas vraiment besoin de leur dire grand-chose. À propos de l'auteur, l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ces derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril.